L'ami inoubliable. Le 28 octobre dernier, ce sont des millions de fans qui ont été endeuillés lors de l'annonce du décès de Matthew Perry. Connu pour son interprétation de Chandler Bing dans la série Friends, l'acteur a été retrouvé inconscient dans son jacuzzi à l'âge de 54 ans. Il aurait succombé aux effets aigus de la kétamine, un médicament utilisé pour lutter contre la dépression. Une épreuve difficile pour son entourage, mais également pour ses amis de longue date qui n'ont pas manqué de lui rendre hommage. Les cinq autres acteurs de la série Friends ont été particulièrement discrets depuis le décès de leur ami. Ils ont brillé par leur absence lors de la 75e cérémonie des Emmy Awards. En effet, les organisateurs ont décidé de rendre hommage à l'acteur disparu sans ses amis comme le rapporte Page 6. Malheureusement, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Lisa Kudrow n'étaient pas présents lors de la cérémonie des Emmy Awards. Un choix qui a surpris le public, mais Jeanette Rosenclet, chargée de communication des Emmy Awards, a tenu à clarifier les choses. Si est-il encore très frais pour eux, a-t-elle expliqué. Un propos soutenu par Jesse Collins, le producteur exécutif de la cérémonie qui avoue que les acteurs sont encore en phase de deuil et doivent encore pleurer quelqu'un qui était très proche d'eux, comme le rapporte Page 6. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023, les acteurs de Friends n'ont pas été invités aux Emmy Awards en revanche. Jesse Collins tient à préciser qu'il était en discussion avec les acteurs afin de les inviter lors de cette cérémonie. Cependant, il a préféré ne pas les convier dans le but de ne pas favoriser Matthew Perry par rapport aux autres comédiens disparus durant l'année 2023. Vous devez accorder une attention particulière à Norman Lear et Matthew Perry, mais vous ne voulez pas que quiconque se sente offensé. La contribution de chacun était significative, a-t-il déclaré. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Backgrid UK. I just need